Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Danny Stone et bienvenue pour un nouvel épisode de A Plague Tale Innocence. Donc dans cet épisode, on va commencer, on va essayer de choper ce bouquin là, on va essayer de voler un livre avec des roses dessus apparemment. Ça aide Lucas à faire une potion magique pour sauver mon frère Hugo. Et du coup on vient juste d'arriver devant ce petit château là. Et du coup on va se lancer directement. Alors je sais que l'épisode précédent était un peu court, hein, parce que le chapitre est très court. Hein. Le chapitre, donc c'était juste une exploration de la base, donc notre quartier général qu'on a, donc c'est Château Ombrage. Donc il fallait voir tout ça, on a tout exploré, on a regardé tout ce qu'il y avait. Et du coup maintenant on va essayer de voler ce satané bouquin. Les gens de la ville, on les évacue. Laisse-moi deviner, la morsure est ici. Bien vu. Et si la morsure est là, alors il y a... l'Inquisition. Voilà, t'as tout compris. Ok, donc il va y avoir de l'inquisition de partout. Tu le connaissais ? Un voleur. J'ai travaillé avec lui. Il était bon. Alors, c'est ça le châtiment des voleurs ? La mort ? Ouais, et je veux pas retrouver. Ah, mais lui, il a pris grave cher. Viens. Allons-y. Pardon. Non, lui, il a pris vraiment cher. Allez, toi, c'est vrai, tu peux débloquer les portes. D'accord. Mais, au fait, c'est où l'université ? C'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Tu peux pas le rater. Est-ce que... tu penses qu'on se reverra ? J'espère bien. Tu m'es redevable. Merde. Ça veut dire que t'as pas le droit de mourir. Je ferai okay, donc elle va retrouver son frère et elle veut uniquement que je survive parce que je dois la payer apparemment. Elle pense que je suis noble, elle pense que j'ai de la thune. Allez hop. Bonne chance. Un peu de furtivité. Elle fait quoi ? Elle ferme la porte derrière moi. Et ouais, effectivement, elle ferme la porte derrière moi. Là, il y a que dalle. Les gens de la ville, ils savent qu'ils vont. Ici, mais tu crois qu'ils s'en iraient d'eux-mêmes ? Allez. Ok, viens. Là, il y a deux crétins. T'inquiète pas, va, on a presque fini. La ville est à nous, on va pouvoir accélérer les opérations. Est-ce que je peux monter encore ou pas ? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête ? Ah, il y a quelque chose là-bas. Ah, j'ai bien fait de monter parce que j'allais aller directement tout droit, donc. C'est quoi ? Donc, ah, c'est des matériels, donc de l'alcool, là, on peut pas parce qu'on en a trop. Là, il y a rien. Ok, mais on va redescendre. Alors, où va-t-on ? Là, il n'y a personne. Eh ben, on va monter les escaliers, hein. On va peut-être croiser quelqu'un. Hop. Je peux monter encore plus ou pas ? Non. Là, y a personne. Wow. Là-bas, ça doit être l'université. Ah, ouais, il est beau le bâtiment. Cette lumière, j'aime pas ça. Du coup, il faut que j'aille tout là-bas, là. Ok, bon, bah, si on y arrive sans mourir, ça serait un miracle, hein. Alors, par où va-t-on passer ? À mon avis, ça va être par là, hein. Bon. C'est vrai que c'est pas tout près. Mais tu vas y arriver. Allez, Amicia. Ah ben, c'est sûr que c'est pas tout près, hein, franchement. Faut traverser une ville remplie de soldats de l'Inquisition, sans se faire attraper ni buter. Facile, non? Ok, donc là... Hey, toi, là-dedans, ah. T'es un des derniers, alors sors de là, ou on vient te chercher. Ok. Oula. Je vais attendre qu'ils partent. Ok, donc c'est bon. Alors. Ah, je peux aller là-dedans. Y'a quoi ici ? Ah, ok, on peut descendre par là. Bon, allez, hein. Pourquoi pas ? Pourquoi pas descendre par là ? Du coup. Il n'y a pas de soldats. J'ai bien envie d'aller voir la porte auquel il toquait. Non, je peux pas aller dedans. Ah, donc là, on pouvait pas y passer, en fait. Fallait qu'on fasse le tour. Oula. Il est là-bas, lui. Ok. J'avais pas fait gaffe. Ah, par contre, là, il y a des choses en dessous. Ah, mais j'ai bien fait de revenir. C'est quoi ? Bah, c'est de la pierre, du salpêtre, on peut pas prendre, mais ça par contre on peut le voir.
Et il y a quoi? Du tissu, de la ficelle, et l'alcool on peut pas le prendre parce que on est rempli. Ok, donc là... Donc il a le dos tourné. Oula, j'allais avancer, est-ce qu'ils vont se retourner? Ok, je retourne pas déjà. Là on peut pas prendre, on est plein. Attention. Dernier appel. Sur ordre du grand inquisiteur Vitalis, la loi martiale est instaurée. Ah, il y a des rats. Oh, si je le... Je peux pas l'effacer son truc là. En ces lieux sera arrêté et exécuté. La loi martiale, c'est incroyable. Pourquoi faire ça maintenant? Ok, donc à mon avis, vu que c'est une... Je pense que je peux pas péter sa torche. Mais là, du coup, à mon avis, il va falloir qu'on aille allumer ça. Et du coup, je pense... Alors, il y a du bois ici. Vas-y, on va l'allumer avec ça. Va bouger par là, je suis pas fou. Oula. Oh non. On va se barrer. On va se barrer très vite, là. Oula. J'ai eu extrêmement chaud là. Oula là là. Il nous cherche, hein. Il nous cherche, hein. Il est déterminé à nous trouver. Hein. Ok, je pense qu'on a survécu de justesse. Ok, il est toujours là. Donc il se casse. Peut-être que je pourrais éteindre sa flamme. On va essayer. On va essayer de le faire. Juste pour que faire en sorte que les rats le bouffent. Ok, donc c'est pas comme ça. Lui, je peux pas l'éteindre sa flamme. Par contre, ce que je peux faire, peut-être, c'est... faire du somnum. Allez, on va en faire. On a de l'ignifère aussi. Allez, allez, allez. On va essayer de balancer de... C'est quoi? C'est de Devorantis. Ok, et maintenant... Ouh! C'est bon. Ok, ok, ok. Tout va bien. Il y a juste une armée de rats qui attendent pour me bouffer, mais tout va bien sinon. Oula, 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 oula. Ok, là, quand on va faire... Bon, c'est un truc qui est sûr. On va aller prendre ça. Et on va allumer. On va essayer d'aller de l'autre côté. Ouh là 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 là. Ah, il s'est fait dévorer. Il s'est fait dévorer. Ok, là on est là. Je sais pas où il faut qu'on y aille par la suite. À mon avis, c'est là-bas. Ouais, si, c'est par ici. Ok, donc ça c'était pas trop mal. On a plutôt réussi à faire en sorte que l'autre il se fasse bouffer. Là, je peux passer au-dessus. Hop. Alors là, pareil, on va s'accroupir parce que bon. Ils me font quand même flipper ces soldats. Et j'ai pas envie qu'ils m'aperçoivent. Non, j'ai pas. C'est quoi ça? Oula. Putain. Va essayer de faucher les trucs avec ces rats dans les pattes. Ouh, salut mon. Ok, donc là on va faire un peu de Devorantis là. Ah, ton pote il s'est fait bouffer hein. Ok, ça c'est bon, et maintenant la caillasse. Vas-y, 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 enlève ton casque. Ouh. Il le saute dessus comme une mouche sur une merde. Il va plus rester grand chose hein. Ok, je pense que ça va les attirer. Déjà, on va prendre le cuir. On va prendre la caillasse, juste parce qu'on peut. En fait, j'aurais peut-être dû l'envoyer vers là, hein, mais... Allez, on va courir. Voilà. Ils sont trop occupés avec le cadavre de l'autre.
Alors par où on passe? Là il y a quelque chose, on va le prendre. Et de l'alcool et du salpêtre, tout ça c'est bon. Les rats sont occupés et à mon avis il va falloir qu'on passe par ici. C'est quoi le bruit? C'est qui parle? Bon bah je sais pas, je sais pas qui parle mais c'est pas grave, on va continuer. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais, les affaires de papa! T'as vu ce qu'ils font aux gens? On doit partir! Si l'Inquisition nous prend! Oh! Mais barrez-vous les gars! Est-ce que c'est partout comme ça? Ok, donc comment va-t-on naviguer ce caca? A mon avis, il faut pas que je tombe. Bah, c'est sûr qu'il faut pas que je tombe, parce que si je tombe, on est bel et bien mort. Allez hop, on va grimper sur le toit. Là, il y a quelque chose. Ah, c'est que je peux descendre là, récupérer ça, ça, ça. Ah ben, parfait. C'est les ressources en plus. Allez, hop. Monte. Par là. Par contre, il doit y avoir un moyen que je puisse passer en bas, parce qu'il y a peut-être des choses. Il faudrait que j'explore cette possibilité-là. Ouh. Ah, il y a un bout de bois. Ok. Ok, ça c'est bon à savoir. Au moins on sait qu'il y a ça qui est là. On pourrait aller là-bas. Mais honnêtement, j'ai bien envie de descendre en bas, mais il n'y a pas de brasier, il me semble. En tout cas, je vois pas de brasier. Peut-être si je fais de la... Ah mais ça coûte beaucoup de la luminosa mais... Ouais le problème c'est qu'il n'y a... a pas de brasier en bas. Donc ça... Ça me gêne en fait d'y aller. Mais il y a forcément quelque chose. Est-ce que j'essaye? Allez vous savez quoi? Merde. On y va. On va essayer. Déjà on va prendre ça. On va l'allumer et je vais aller voir. Il doit bien avoir quelque chose, non? Même pas. C'est trop risqué. C'est beaucoup trop risqué. Je vais pas prendre de risque. Ou si j'envoie de la luminosa là. Mais on va essayer. Zut alors, hein. On a plein de ressources, donc autant essayer. Est-ce que ça reste éternellement ça ou pas? Non, ça part. Et les rats reviennent, donc c'est mort. C'est pas par là. On va continuer notre chemin. Ok, là y a rien. Je sais pas où je suis. Oh, c'est une poule. Je suis encore en vie. C'est trop calme. C'est beaucoup trop calme. Allez viens la poule. Va devant, tu vas le faire manger par des rats toi, je le vois venir. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon mari. C'est où ça? Il est condamné. Fiche le camp. Pas toute seule. Je peux pas partir sans lui. Ah, ils sont là. La loi martiale, tu connais? Tu veux crever avant lui? Oh, je suis contagieux. Ne reste pas là. Écoute-le. Tire-toi. Maintenant. Je peux pas faire quelque chose là. Oh mon dieu. Ah, vous m'épuisez avec vos conneries. Faut que je passe par là, peut-être du coup. Ok, bon, on va essayer de passer par là. Wow. Il s'est pendu. Ah, c'est chaud. Et du coup, bah ouais, à mon avis, il faut. Alors, comment va-t-on faire? Il y a des rats. Ok, à mon avis. Ouh là là, mais ils sont juste à côté. Du coup. Je dois occuper ces rats. Ah ben, occuper ces rats. Ouais, pardon, mais je suis désolé, hein. Je suis désolé, bonhomme. Oula. Faut que j'aille voir ce que c'est. Hé, toi aussi, mon grand.
Et bye bye. Arrivederci. Puis t'entends le bruit en plus du... Tu sais, un espèce de... Où ils se font bouffer, quoi. Alors, du coup, ils sont occupés. Donc, je suppose... Ah, ben là, je peux passer au-dessus, non? Ok. On va prendre ça. Un peu de soufre en plus. Alors, je pense qu'ils sont occupés. On va sprinter. Ouh! Je pensais vraiment qu'il y en avait quelques-uns qui allaient tenter de me bouffer. Heureusement que ça n'a pas été le cas. Alors c'est quoi ça? Ah, c'est des cadavres, super. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ah, c'est des enfants en plus. Ah, c'est chaud. Ah, franchement, il est sombre. Franchement, il est très très sombre, que, comme je vois. Alors là, tissu, tissu. Pourquoi pas? Il n'y a rien en bas, je pense. Non, je pense que j'ai tout pris. Donc on va avancer. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Ok. Pour le moment, ça se passe bien. Wow, j'avais pas vu. Ah, mais c'est sale. Franchement, c'est sale. Alors là, on a quoi? Salpêtre, soufre, on prend. Ok, on va passer. Ah, on va voir le cochon. Il a envie, le cochon? On va prendre la ficelle et puis on va voir si le cochon est en vie. Ah non, il y a les mouches autour. Hein. Les cochons, ils sont grave morts. Alors, maintenant, il faut qu'on fasse gaffe, parce que je sais qu'il y a quelqu'un, mais où, je ne sais pas. Oh, il y a Clébard aussi, bon, Clébard, il a vu les meilleurs jours. Ok, donc lui, il est là-bas. Mais il y a les rats qui bloquent tout. Et du coup, à mon avis, il faut qu'on essaye de trouver un autre passage, un autre moyen de passage. Donc ça, c'est de la caillasse, mais on en a trop. Ouvrir la porte, même pas. Alors, il y a des gardes de partout. Comment va-t-on passer? Oh, c'est vraiment macabre. Hein. Franchement, là, c'est sombre. C'est sombre comme, comme tout. Il y a trop de rats là-dessous. Je passerai pas sans les distraire. Oh, oh, oh regarde. Oh là là, il y a trop de cadavres. Hein. Comment va-t-on faire? Il doit bien avoir un moyen, quand même. Y a pas des branches quelque part? Ou peut-être par là, tiens. Il est fermé. Bah, pas par là, du coup. Je pensais que c'était possible, mais visiblement non. Là, c'est pareil. Y'a que dalle. Peut-être une de ces portes... Enfin, peut-être cette porte au bout, là. On avait vu, mais ça s'ouvrait pas aussi, donc... Non. Ben, mais comment on fait? Peut-être que je pourrais décrocher un de ces pendus. Ah. Pourquoi tu n'y as pas pensé en plus? J'aurais dû y penser. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux viser ou quelqu'un? Ah, voilà. Est-ce qu'il a entendu? Non, il a pas entendu, donc c'est nickel. Oula, ils... Non. Ils sont toujours aussi chauds. Ouais, ils sont toujours partout, là. Ah, il y en a un autre là où je peux... Ok. Ok, boum. Ça va être un festin là-dessous. On peut passer là? Enfin, je pense. Comme c'est macabre.
Accroche-toi. Pense à Hugo. Oh là là. C'est trop sale. Vraiment, vraiment très très sale. On va prendre l'alcool là pendant qu'on y passe. C'est poisseux. Oula, il y en a un autre. Oula, dès que j'avance, ils me regardent et ils avancent vers moi quand même. Alors, comment on va faire? Lui, il a un casque. Est-ce qu'on a du dévorantis? Ouais. Est-ce qu'on a de l'ignifère? Ouais. Voilà. Lui, il pense qu'il y a quelque chose. Il va venir. Viens, mon grand. Dès que tu vas venir, je vais te balancer à la gueule. Et maintenant, enlève ton casque. Ouh. Et où ils vont aller le bouffer? Bah, allez-y, les gars. Non, vous ne voulez pas le bouffer. C'est moi que vous voulez bouffer. Ah ouais, mais vous m'aurez pas, les gars. Ok, donc là, on est passé. Et là, il faut que je passe par là. Ou il faut que je fasse tomber des cadavres encore. Honnêtement, je sais pas. Où est-ce que je passe par? Ouh, je peux passer là-haut, là. Ah, il y a du bois. Ok, donc ça veut dire qu'on peut passer en dessous avec ça maintenant. Ok, c'est nickel. Donc on va prendre toutes les ressources ici qu'on peut trouver. On va voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre dans le coin. Non, mais il y a son cadavre. Mais on peut pas le prendre, malheureusement. La porte, on peut pas l'ouvrir. Non. Ok, par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire ça. Et maintenant, on peut aller à l'intérieur. Sur quoi je... Oh. Oh, non, regarde pas. Ne regarde pas. Ok, on va sortir par là. Fidèle à ma proie. Je dois être fidèle à ma proie. Ah, c'est qui dit ça? Pas Ignem, pas Luke. C'est qui parle? Wow, et franchement là je suis un peu perdu, je sais pas trop où je dois aller. On va faire un peu d'ignifère. Voilà, on va allumer quand même ça. Ok, donc ça c'est fait. Par contre, comment je fais pour virer ces rats là? Là, on peut également le faire. Est-ce que j'ai assez de dévorantis? Non, parce que vu que allumer le brasier, ça va avertir l'autre mec. Donc là, on va faire tac. Ok, dévorantis. Boum. Maintenant, on va prendre la fronde. Ouh. Ah, il y a son... Ah, mais j'en suis sûr que sa tête a explosé. Ok, du coup, maintenant, ils sont partis là-bas. Ça me laisse de la place pour aller vers là. Comment on va faire ensuite pour naviguer? On va passer par là. Je pense que c'est bon. Enfin, je pense qu'on a réussi à naviguer le truc. Mais par contre, il y avait des trucs là-bas et j'aimerais bien les prendre, mais j'ai pas de bâton. Enfin, j'ai pas de moyen, ou peut-être fallait faire de la... Comment ça s'appelle? De la luminosa, peut-être. Je sais pas. Bref, on s'en fiche. Je tiens beaucoup trop à ma vie. Et du coup, on va continuer. Alors ensuite, je peux ouvrir cette porte. Je pense que ça va être un nom. Et ben, j'avais raison. C'est un grand nom. J'ai cru que j'y arriverais pas. Ah, mais t'as pas encore réussi, ma grande. Cette odeur. Alors, non. Non. Tout droit, là. Que du tout droit. Par contre, il n'y a personne, là. C'est normal ou c'est pas normal? L'université. Tu vois? Allez, allez, yes. Continue comme ça. Et on n'y est pas loin. Heureusement, on n'est pas encore mort. Hein. C'est un miracle. Hein. Je m'attendais vraiment que je crève. Oh, c'est un cimetière. J'ai pas envie de passer par là. Oh, il y a des cadavres de partout. Oh, et franchement, c'est ouf. Hein. Oh, puis tu vois les points noirs de la peste bubonique. Oh, c'est chaud.
Non mais ma chère, mais toi, t'es... enfin, tu l'as ta peste, hein. Donc, c'est fermé. Si seulement Mellie était là. Ah, mais Mellie est pas là. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Et comme on a vu, on va passer par là. Mais ça, c'est quoi ça? Ça vient de l'Inquisition. Le faisceau lumineux pour ouvrir un chemin pour un missile au milieu des rats. Utiliser le joystick gauche pour efficace. Tourner. Le grand inquisiteur ne fait pas les choses à moitié. Ok. Ah, mais c'est cool ça. Là, ça va me permettre de passer là-dedans, là. Wow. Vous pouvez pas venir, hein. Quoique, je vais le tourner encore un peu plus. Parce que franchement, ça pue trop, sinon. Donc on va le mettre directement sur l'objet, là-bas. Voilà. Donc là, a priori, je devrais pouvoir passer. On va prendre, voilà. Et là, on se retourne tranquillement. Parce que là, ils ont qu'une envie, c'est de me bouffer. Et là, hop, on va le pointer vers la porte. Oh, ça va être bon, là. Ouais, ça va être bon. Allez, hop, ça fera l'affaire. Aussi d'ouvrir des chemins au milieu des rats ou de les débloquer. Bon, bref, ils sont pas contents, ils ont bien la dalle et ils peuvent pas me bouffer parce qu'il y a un faisceau lumineux. Ah yes, il y a un atelier cool, on va peut-être pouvoir améliorer quelque chose là quand même. Alors un outil, du soufre on peut pas. C'est quoi, du cuir, nickel. Y'a rien d'autre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut améliorer l'attirail. Donc renforcer par des pièces bandes de cuir, la ceinture, donc ok. Ouh. Ça veut dire que j'ai plus besoin d'un atelier pour améliorer mon matériel, je peux l'améliorer sur le champ. Ah mais carrément. On va le prendre cash. Ça va me simplifier la vie. Ah mais tu m'étonnes. Et du coup ça veut dire que maintenant je peux faire ça et je peux... Ah ouais. Non. On va monter, j'entends des gens. T'as bien quelque chose. Un truc précieux. Oh il est en haut. On a tous un trésor. Allez Amicia, fais quelque chose, allez. Je sais ce qu'on va faire. Adios. Hey, c'est quoi ça? Ah, quel bâtard. Salut, mon nom. Et voilà. Ah, il reste plus grand chose du pauvre mec. Et franchement, c'était vicieux. Franchement, c'était vilain. Le pauvre. Et il est en train de piller tranquillement. Et j'arrive et franchement, je fais en sorte qu'il crève. On va peut-être prendre tout ça là. Et du coup, à mon avis, comment va-t-on faire? Ah ouais, non, ils sont là, donc c'est mort. Ce qu'on va faire, on va tourner le faisceau lumineux de mon côté. Voilà. Donc là, a priori, il n'y a plus de rats ici. L'autre faisceau, il est directement pointé vers moi normalement. Une fenêtre, parfait. C'est où la fenêtre? Ah oui, là-bas. Est-ce qu'il y a des trucs ici? Je sais pas. Mais on va bien voir. Déjà, hop, on va dégager les rats. Allez, barrez-vous là. Là, je pense. Ils m'attendent quand même, hein, ces mecs, ces crétins. Ils m'attendent. Ne restons pas là. Et hop, wouhou! On est arrivé, non? Ou c'est quoi? Ou c'est... On va voir qui. Oh. C'est un prêtre? Un prêtre? Un moine? De l'Inquisition? Maître, voici l'épisanguis. Voyons ça. Ah, c'est le livre! D'accord, c'est lui qui a l'épisanguinis du coup. Parfait. Il ressemble à Floki dans Viking, un peu le mec, il a un peu la même gueule. On sait que ça vient des rats, mais à quoi ça sert? Wow. Nous appelons cela Odorous. Wow. Ah.
C'est un des nombreux effets de l'épi sanguis, lorsqu'on le mélange avec du soufre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais pourquoi on ne pourrait pas équiper nos troupes avec ça? On pourrait... C'est bien trop précieux. Chaque cristal d'épi sanguis doit être consacré au projet. Par ailleurs, avec ces cristaux, nous avons déjà rencontré plusieurs... Comment pourrais-je dire? Des accidents regrettables. Apportez ça au bastion. Ce sera tout pour aujourd'hui. Des accidents regrettables. Imagine, tu t'en renverses sur les pieds. Tu finis ta patrouille cul de jatte. Ok, donc ils sont en train de fabriquer une espèce de potion pour qui attire les rats en fait. Donc ok. Peut-être que je pourrais apprendre à le faire. Qu'est-ce que c'est? Je dois voir ça. Ils sont partis. Allez, c'est juste un cimetière. Oh, et Ranzan, ils se mettent debout à quatre pattes et ils te regardent, hein, c'est quand même grave flippant. Y a rien là-bas, je pense. Hein. Enfin, je vois rien qui brille, juste des cadavres. Donc franchement, tant pis. On va rester accroupi, parce que franchement, je fais aucunement confiance au rat. Alors, Il faut que j'allume le brasier là-bas, c'est sûr. Et du coup, on va faire de l'ignifère. Boum! Tiens, tiens. Hop. Et du coup, qu'est-ce qui vous excite? Comment va-t-on faire? Mais comment fait-on? On passe par là? Eh ben, on va passer par là. Hop. On récupère alcool et pierre. Ah, il reste quoi? C'est... Ah ben c'est le bas d'un corps, hein. C'est juste les ossements. Wow, 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 hey, cassez-vous là. Ils pètent un pont, les mecs, là. Alors, c'est ça, l'épisanguis. Viens. Quoi, ça? L'épisanguis et soufre. Ah, je peux fabriquer de l'odoris maintenant. Ah, c'est beau, ça. Du coup, il faut une pierre, du soufre et de l'épisanguis. Ouais, bah du coup, on va fabriquer. Bon, il reste plus qu'à essayer. Bon, bah, on va tester, hein. Ça, c'est pour toi. Alors, comment on fait? Peut-être que je les envoie là-bas. Hop, ça marche. On va monter. Ça va me sauver la vie. Oh, ça va être, pas mal, ça. Parce que, du coup, c'est temporaire aussi. Du coup, il faut que je me dépêche. Alors, l'épisanguis étant les possibilités d'amélioration de l'équipement. Ah! Wow! Ah, on a débloqué des trucs dans Alchimie maintenant. Ok, c'est cool, ça. Et c'est quoi? Augmente la durée d'effet de l'odorix et du luminosa. Ok, récipient. Instrument, la munition d'ignifère distrait les ennemis alentours. C'est bon, ça. Et du coup, il faut trouver... Ah, d'accord, la guide de l'épisanguinis, c'est une ressource qu'on peut utiliser pour améliorer aussi. Donc on peut l'utiliser pour lancer. Et on peut améliorer également notre matériel. C'est bon à savoir. Et du coup, maintenant, a priori, je devrais pouvoir passer là-bas. Enfin, je pense. Donc on va utiliser l'épisanguinis. On va le balancer là-bas, là. Ah, c'est beau, ça. Est-ce que je vais quelque part d'autre? Y'a quoi, là, je peux l'ouvrir, ça? Non. C'est, ça, de toute façon, c'était trop beau pour être vrai. Trop facile pour être vrai, d'ailleurs. C'est quoi, ça, du tissu? Ok, c'est pris. On dirait la sortie. Allez, j'y suis presque. Allez, on y est bientôt. Et du coup, c'est pareil, il faut que j'utilise l'épi sanguinis. À mon avis, c'est ça. Hop, on va en faire. Et on va l'envoyer. Allez, on va l'envoyer là. Ok, donc on est dans la lumière. Je dois trouver quelque chose pour me hisser. Ok, comment on va faire? Donc, déjà, on va prendre ça. Parce que c'est de l'épisanguinis, ça c'est par tranche de 2 qu'on le prend, donc c'est bon à savoir. Comment va-t-on faire? Alors c'est sûr que il faut que je fasse un point de passage. Par là. Donc, normalement les rats ils peuvent pas passer. Et nous, on peut y aller tranquille. Oula, il y en a d'autres, ok. J'arrête.
Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Ah d'accord, donc c'est en bas là-bas et puis il faut que je grimpe. Ok, d'accord. Donc là, il faut... Elle est où la charrette? Elle est de l'autre côté. Ouh, wow, 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 wow. Là, j'y avance pas. Attends, on va prendre ça. Et maintenant, on va faire tourner la lampe. Allez, cassez-vous là, bande de rats. Et peut-être pour récupérer ça, d'ailleurs. Déjà. Bon, je pense que je peux être debout. J'ai pas l'impression qu'il y a grand monde. Donc on va prendre l'épi sanguinis qui est là. Ensuite... Donc là, il faudrait que... Il faudrait que j'arrive à bloquer... Alors, comment va-t-on faire? Oula. Non. Il n'y a pas... Ouais, là, franchement, il faut vraiment réfléchir. Je sais pas trop comment... Alors, peut-être en... Déjà en mettant ça là, ça fait un passage. Ok. Ensuite. Le gros problème c'est qu'il n'y a pas de feu. Comment faire? Là franchement ça m'intrigue. Allez on va tester. Hein. On va faire de... Allez on va balancer ça. Ou... C'est quoi? Ça, on va le placer sur le truc là-bas. Comme ça, normalement les rats... Quoique, j'allais dire normalement les rats, ils vont me laisser tranquille là-bas, mais... Ah mais je dois bien pouvoir faire quelque chose quand même. Et peut-être si je fais du Luminosa... Oh! Peut-être comme ça. Voilà, il y a déjà plus de rats là-bas. Oula! Ok, ça tiendra pas assez longtemps, il faut les coincer. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Ok, 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 j'ai compris. J'ai mis du temps à piger, mais j'ai pigé. Et du coup, ce qu'on va faire? On va faire de l'odoris. Je vais balancer dans le coin là-bas, ils vont tous y aller, on va tourner la lumière et ça va les bloquer. La lampe réfléchit, Amicia réfléchit. Tu peux attirer ces rats où tu veux, tu dois les coincer. Là. Le problème c'est que j'ai encore ceux-là. Là. Qui m'embête. Du coup ce qu'on va faire, on va le faire tourner là. Voilà, venez, 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 venez. Et du coup, maintenant, on va faire tourner. On va les pousser de l'autre côté. Allez, là. Il y en a un seul, là. Il m'énerve. Voilà, part. Pouvoir les attirer dans ce renfoncement. Et les bloquer avec la lanterne. De toute façon, c'est ce que j'avais dit, hein. Mais bon, déjà, il faut que j'arrive à les envoyer là-bas. Donc, on va mettre ça, là. Ok, ensuite. Le truc... Oh là là là, ils sont partout. Allez, dans le recoin là-bas, là. Allez, on y va, on y va, on y va. Vite. Et normalement, là, il peut pas sortir. Oui. Voilà. En fait, j'avais raison. Hein. Ça m'a pris du temps à faire, mais j'avais raison. Et du coup, maintenant, on peut prendre ça tranquillou, sans vraiment avoir de soucis. Allez, hop. Dis-moi que tu roules encore. Mais bien sûr que ça roule encore. Hop, on va le passer par là. Du coup, il faut que je l'amène en bas, il me semble. Ouais. Vraiment très discret. Bon bah c'est bon. Bien, il a déplacé. Du coup maintenant on va l'amener là-bas. On va grimper et tout va bien se passer.
T'es pas mal, franchement, il fallait réfléchir hein, pour les coincer dans le coin là-bas. Tu t'en sors. Tu t'en sors bien, même. Alors, comment fait-on? Il y a quelqu'un? Non, mais il y a du matos, il me semble. Ok, de la pierre. Soufre. Des cages. Là, il n'y a rien. Ok, tout est bon. Ouais, lui, il est mort. Empalé par une pique. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, violence, hein. Tout d'une telle violence. Là, je peux pas rentrer. Là, je peux pas rentrer non plus. J'y suis presque. C'est quoi? T'as intérêt à exister, ton livre. C'est la tour de l'université? Oh, regarde sa tête à lui, là. Raconte le tonneau, là. Il a pris cher. Celui-là, on est bon. Ils ont massacré tous les malades. Ah, ils les ont... Ah là là, là, ils ont mis dans des recoins, là. Ils ont tous... Ah, ils les ont déglingués. Ah bah oui. Les rats, ils ont lâché les rats. Ah, il est encore en vie, lui. Je peux rien faire. Je suis désolé. Oh, C'est pas possible. Ils ont utilisé les rats contre les malades. Ah, ils sont vraiment débouchés, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, déjà, on va prendre ça, là. De l'épisanguinis. Là, on a pris tout ce qu'il fallait. Et continuons notre quête jusqu'à l'université. Ah, ils sont là, les rats. De toute façon, je savais qu'ils allaient être là à un moment donné. Pourtant à dire pour gueuler comme ça tout le temps. Une fois au bastion. Ah, c'est ce que j'ai envie de tester. De crier, vous verrez. De balancer de l'épisanguinis dessus. On a des artistes du couteau. L'odoris, je pourrais essayer. Je savais. Je sais pas pourquoi, mais je le savais avant qu'ils me le disent. Ah si, bon. Ah, il a pris trop cher. Il a pris trop cher. Et voilà, on passe tranquille. Je sais pas pourquoi, mais ça, je le sentais trop, là. L'épisanguinis sort sa gueule, je le sentais beaucoup trop. Et rassure-toi. C'est où, là, ça? On va bien voir. Non, ils vont me tuer pour la première fois, je vais mourir, je le sens. Ou peut-être du Devorantis. Non! Oh yes! Oh! Oh! Oh, terrible! Eh, ça m'a sauvé! Et du coup. Eh là, je pensais vraiment que j'étais mort. Merci le truc là pour faire dodo là. Ça coûte cher à faire, mais bordel, ça m'a grave sauvé la vie. Hein. On va faire un peu de Devorantis et un peu d'Odoris. Je peux pas le tuer lui là? Bon, il doit faire dodo, mais ah, là c'était chaud. Hein. Là, j'ai vraiment cru que c'était la fin. Ah là là, je savais pas ça par contre, c'est genre. C'est bon à savoir. On va prendre tout ça. Encore des cadavres. Que des cadavres. En fait, j'aurais dû venir là. J'aurais dû l'envoyer là-bas. Et puis faire le tour sans qu'il me trouve, en fait. Et des outillages. Enfin, de l'outillage du cuir et de la ficelle. Là, il y a de l'épisanguinis qu'on va essayer de prendre. Nickel. Et maintenant, il faut passer les rats, du coup. Hey, 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 barrez-vous là. Oh non! Mais comment ça se fait? C'est pas possible! Mais il bougeait pas tout à l'heure! Pourquoi? Parce que c'est trop tard pour vous. On appelle ça la clémence. Alors, on va envoyer ça. Mais rassure-toi! Tous les autres seront bientôt sauvés. Hey, ok, on va passer par là. De l'autre côté, on peut plus patrouiller là-bas tellement... Ok, donc ce qu'on va faire, donc là on va l'envoyer là-bas. Vous avez de la chance de sentir.
C'était quoi ce vacarme? Et c'est ce qu'on va envoyer directement de l'Odorantis sur sa gueule là-bas. Bye bye. C'est tellement efficace comme arme, franchement. C'est tellement beau à faire. Du coup, normalement, là, ça je le récupère. Eux, ils s'en foutent un peu de ma gueule. Parce que là, je vais me barrer. Pourquoi ils sont encore là? Les pissenguis, les cages. C'est pas une simple évacuation. Alors, maintenant. On est malade à rester ici. On se passera le mal les uns aux autres. Jusqu'au grand inquisiteur. Et il restera plus personne. Mais ta gueule! T'as pas fait les chialer! Ah, ils sont honteux, ok. Pas un mot. Comment je vais faire? Alors, lui là-bas, il tient ça. Peut-être si je balance le pot. Ou non, ou si je fais le tour là. Voilà, ouais, là ils m'ont pas vu, donc je peux passer par là effectivement. Je peux pas faire le tour. Ou peut-être que ça va faire en sorte qu'il se barre. C'est quoi ce bordel? Ah. Bye bye. Faut que je me calme. Ok, donc lui il va retourner là et peut-être avec un peu de bol vu qu'il n'y a pas de... Ah non, il revient vers la lumière. Tu sais quoi? On va retenter. Et cette fois-ci, je vais balancer de l'odorantis sur sa gueule. Non, voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, on va grave tourner la lampe. Et on va faire Odorantis. Vite, 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 vite. Ah! Je veux rien. Est-ce que je deviens fou? Ah, voilà, c'est bien. Et normalement, il est mort. Et franchement, il faut réfléchir à comment on va gérer les choses. Ok, donc ça, c'est bien. Faut être grave concentré. Ça, c'est sûr. Lui, je vais peut-être pouvoir lui viser la gueule. Ou peut-être que je peux passer sans... Non, il y a quelque chose sur la table. Voilà. À l'ancienne. Et du coup, là, il y a du cuir, donc c'est bon à prendre. Prendre la pierre également. Et voilà, donc là on va passer où? De toute façon là ils sont... On va bloquer les rats. D'un côté, vu qu'ils sont occupés avec son cadavre. Donc là, les rats ne peuvent pas passer. Et là on peut passer là-bas. Oh. Je brûle dedans. Dites ce que je dois faire. Je sais pas. Boire. Oh non, ne buvez pas ça. Oh, il va boire l'eau de... Oh, c'est un cauchemar. Oh, c'est trop sale. L'université ne doit plus être très loin. C'est trop trop sale. Franchement, j'aurais tellement pas aimé vivre à l'époque. Hein. Franchement, j'aurais tellement pas kiffé. Il y a des cadavres de partout, il y a des ossements de partout. Mais c'est ça en fait, tout ce macabre et ce côté... Enfin, ce côté macabre, ça fait le jeu en fait. C'est... Avec la musique, l'univers macabre, l'environnement, ça fait de ce jeu vraiment un pur jeu. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un jeu aussi beau. Enfin, pas beau dans le sens que, genre, ouais, c'est la peste noire, tout le monde est content, wouhou! Non, dans le sens que beau, bien fait, bien réalisé, belle direction artistique, belle musique.
Ok, comment on fait là? Ah. Alors, il faut peut-être que je casse. Alors, on va casser la cage. C'est beau ça. Ah, yes. Ah, il monte dans le casque et il le bouffe bien comme il faut. Ensuite, peut-être casser les lanternes. Voilà. Pierre. On va faire de l'odorantis. Je vais te faire trouper. Tu peux me croire. Oh non, mais j'ai raté mon truc en plus comme un idiot. Allez, venez les rats. Non, ils veulent pas. Bah, je vais l'assommer du coup. Bah non, il va m'attaquer. Mais bon, on va lui balancer ça. Le coup gratos, le coup du noob, hein. C'est du débutant là. C'est... Franchement, c'est trop facile, même on a choisi de le faire. Et donc là, il y a encore des mecs. On va descendre par là. Franchement, ce chapitre est grave long aussi, j'aime beaucoup. Ça, on va prendre tout ça. Donc, nous, au mec, sur le soufre. Alors, comment va-t-on faire? Là, il y a quoi? Il y a de la caillasse. Je vais essayer de passer de l'autre côté, parce que là il y a quand même trop de rats et trop d'hommes. On va essayer de faire le tour. Peut-être que je peux me mettre debout là. Ah, il y a quelque chose là-bas. Ah, mais c'est là où il est passé l'autre. Ok, là on y est. Ah, il y a de l'épisanguinis. Alors, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le pot, on va essayer de les attirer vers là-bas, là. Après, on va lui balancer de l'épisanguinis sur la gueule. Et les rats vont venir le bouffer. Voilà. Ok, tranquille. Pour le moment, les rats, ils restent là-dedans, ils m'ont pas vu. Ok, ensuite, lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attirer sur ça. On va lui balancer du dévorantis sur le casque. Et on va le matraquer comme ça. Hop. Allez. Ouh, parfait. Tout se met en place. On est mort qu'une fois, hein. C'est un miracle quand même. Je tiens à préciser que c'est quand même un sacré miracle. Là il y a quelque chose. Là il n'y a plus personne. Ça on va le récupérer quand même. Juste parce qu'on peut. Ça aussi. Hop. Juste pour récupérer tout ce qu'on peut. Là normalement on est à l'université. Yes. C'est beau. Par contre c'est beau, il y a encore des mecs. Mais enfin qu'est-ce qui se trame ici? Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est trop risqué. Est-ce que je peux les viser ça? Ou non? Oulala, on va se casser. Parce que là ils m'ont vu. Ils m'ont vu, j'ai fait n'importe quoi, donc on va se cacher là. Il vient ou pas? Je sais même pas s'il va arriver. Je pense pas quand même. Non, je pense pas. Je pense qu'il a juste aperçu un petit truc, mais pas grand chose. Pas suffisamment pour venir me voir. Alors, ils sont là-bas? Je sais pas où ils sont, les mecs, là. C'est... Hmm.
Ok, là ils sont là-bas, donc je peux pas passer par là-bas, ça c'est sûr. Ok, lui il est là-bas. Ok, on va venir par là tranquillement. Ok, ils m'ont pas vu, donc c'est déjà ça. Ensuite, ah bah ça va être par là quand même. Allez hop. Eh ben c'est par là. Je pense, c'est bon. Du coup on a fait le chapitre 9, on est sur le chapitre 10, le chemin des roses. Je pense qu'on s'est plutôt pas trop mal démerdé quand même. Je suis mort qu'une fois. Je tiens à préciser, c'est un miracle. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de rats, beaucoup d'ennemis. Donc c'est plutôt une réussite. L'université. Bon, le livre. Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Au sous-sol, le chemin est semé de roses. Ok, donc là on est dedans. Et là il faut absolument qu'on trouve ce bouquin du coup. Mais je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. Parce que ça fait quand même une bonne heure que j'enregistre. Parce que c'était quand même sacrément long ce chapitre. Donc on reprendra la prochaine fois dans l'université pour retrouver ce fameux bouquin de à couverture de rose. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir rejoint. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de A Plague Tale Innocence. Allez, salut tout le monde, bye bye.